Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est une bonne nouvelle pour Kate Middleton. Deux photos de la duchesse de Cambridge vont être exposées à l'Imperial War Museum de Londres. En 2020, elle était partie à la rencontre de deux survivants de l'Holocauste. L'occasion pour la photographe qu'elle est de capturer cette belle rencontre. Mais elle ne se doutait pas que ces clichés de Stevan Frank et Yvonne Bernstein, qui se sont installés en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale, seraient exposés au grand public. L'épouse du prince William a partagé cette grande nouvelle sur Instagram ce 6 août 2021. Honorée de faire partie de la nouvelle exposition de photographie au Hat Imperial War Museum à Londres. Rassemblant plus de 50 portraits contemporains de survivants de l'Holocauste et de leurs familles. A-t-elle écrit. Exposée pour la toute première fois, ces photographies puissantes capturent les liens particuliers entre les survivants de l'Holocauste et les jeunes générations de leurs familles. Et nous rappelle notre responsabilité collective de veiller à ce que leurs histoires perdurent, confie la mère de famille. Les photographies présentent un groupe de survivants qui ont élu domicile au Royaume-Uni après des débuts marqués par des pertes et des traumatismes inimaginables. Tout en offrant un espace pour se souvenir et partager leurs histoires, ces portraits sont une célébration de la vie bien remplie qu'ils ont vécue et de l'héritage spécial que leurs enfants et petits-enfants porteront à l'avenir, explique Kate Middleton. Les internautes se sont empressés de féliciter la duchesse de Cambridge. Belle photo. Catherine est une photographe incroyablement talentueuse, c'est le genre de choses que nous devons dire à notre jeune génération et un bon moyen est la collaboration intergénérationnelle. Toutes nos félicitations à la duchesse. De si belles images. Quelle réussite. Incroyable. C'est tellement important de ne jamais oublier, bravo chère duchesse. Nous sommes si fiers de vous. Peut-on notamment lire dans les commentaires.